Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes le samedi 1er juin 2024 et je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé. Donc vite vite avant que je prenne la route, je vais vous faire ça parce que voilà, j'ai eu beaucoup de mails et beaucoup de messages en ce sens. Comme quoi vous étiez nombreux à avoir peur parce que notre cher Jupiter... ce qui a été dit, c'est qu'il reçoit Zézé le 6 juin 2024. Alors, je ne sais pas quel jour ça tombe hein, exactement, mais il le reçoit et soi-disant, il va déclarer en fait à ce moment-là la guerre au tsar. D'accord? Donc, beaucoup d'entre vous ont très très peur de cela. Je peux le comprendre, moi aussi hein, d'ailleurs, hein, mais j'ai toujours cette sensation-là que de toute manière... Même s'il fait ça, même s'il dit ça, pour moi c'est une belle connerie parce que rien ne se fera derrière, d'accord? De toute manière, un homme seul au pouvoir ne peut pas déclarer la guerre tout seul. Hein. Il faut savoir quand même que il y a quand même des députés et sénateurs, et les sénateurs, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc pour moi, même s'il raconte ça... de mon ressenti comme ça, je ne vois pas cette fameuse troisième guerre mondiale où nous, on va être dedans, d'accord? On va regarder, hein, on va se poser la question, on va essayer de faire ça assez rapidement. Pourquoi j'ai mis un chant de coquelicot en image? Parce que moi, on m'a toujours dit, s'il y a beaucoup de coquelicots dans les champs au printemps, ça c'est signe qu'il y a la guerre aux portes du pays. Et c'est mon arrière-grand-père qui disait ça. Et du coup, en effet, on peut remarquer que bah, y a la guerre hein, partout hein, et c'est aux portes de notre pays. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un champ de coquelicots que je viens de prendre en photo avant de vous faire la vidéo parce que je suis allée faire des papiers et il y avait cet immense champ de coquelicots. Donc, je les prends en photo et je vais vous la mettre en image. Voilà, voilà pourquoi. Je vous dis qu'en ce moment, n'utilisez plus mon code AMBER10. Vous avez moins 30% sur tout le site d'Essence Mana. Vous n'avez pas besoin d'avoir de code. C'est quasi sur tout. Il y a vraiment, je crois qu'il y a que juste le tapis Nebula et peut-être un oracle ou un ou deux trucs où il n'y a pas la réduction. Sinon, tout le reste, vous avez moins 30% sur tout, quasi tout. D'accord? Vous avez toujours un petit cadeau à la commande. C'est fait en France par Tiffany et Jonathan. Donc, par exemple, vous avez, alors moi je l'adore, hein, je vous le présente souvent, mais vous avez ce plateau en sélénite là. Avec le signe de l'archange Métatron, protecteur des humains. Et donc, en ce moment, j'ai envie de dire, on en a besoin. Parce qu'on a un fou à la tête de l'État. Donc, je suis sympa, je ne vous mets pas la photo ni de Jupiter, ni du tsar. Hein, voilà. Et pour ceux qui pensaient que le tsar ne voulait pas la paix, je vous ai mis une petite vidéo dans ma communauté. C'est Olive Olive qui met ça en ligne. Mais bon, je vous l'avais dit, hein, qu'il voulait la paix et que normalement, cette guerre aurait déjà dû se terminer, sauf qu'il y a eu l'ingérence de l'Angleterre et des Américains. Je précise quand même que Luc de la Reine avait signé cet accord de paix et que bah, les autres, ils ont mis leur veto. Donc, il faut comprendre que cette guerre, ça leur rapporte des sous-sous à tous ces gens, d'accord? Ouh, j'ai une belle carte qui se retourne, regardez. Bah, j'ai l'intervention du divin. Donc, est-ce que c'est nos prières? Parce que, bon, moi, je vous dis, moi, je prie en ce sens, hein, je prie le divin hein, pour arrêter tout ça. Donc, il va falloir quand même hein, prier tous ensemble pour éviter de se retrouver dans cette guerre, quoi. Alors, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs et dites-moi, protégez la France. Dites-moi, est-ce que... Jupiter, vous inquiétez pas, je dis son vrai nom dans ma tête, hein, va déclarer la guerre au tsar le 6 juin 2024. Et si vous comptez bien, alors 6 juin, c'est le 6, 24, ça fait 6, si on ne met pas le 2 devant. 6, 6, 6. S'il y en a qui ont des doutes de savoir si c'est l'antéchrist ou pas, Jupiter, posez-vous les bonnes questions. Hein. Alors, est-ce que Jupiter va déclarer la guerre au tsar le 6 juin 2024? Et écoutez bien ce que j'ai posé comme question. Est-ce qu'il va déclarer la guerre au tsar? D'accord?
C'est ma question. Bon, alors là, j'ai les promesses, les paroles, les promesses qui ne sont pas tenues. Des paroles en l'air, on me dit. Des blabla encore, hein, voilà, il va raconter tout un tas. Et en même temps, vous voyez, il va faire du en même temps. Moi, je ne pense pas. Déjà, à la coupe, on me dit le bonheur pour nous. On me dit que c'est hasardeux. Donc, oui, il va noyer un peu le poisson. Non, moi, j'ai la grâce ici. C'est un beau revirement favorable par la grâce de Dieu. On me dit que ça marche sur trois pattes, cette histoire. Hein. Et on me dit que de toute manière, présentement, là, tout de suite maintenant, ça s'écroule, tout ça. Tout ça s'écroule. Donc, pour moi, là, promesses qui ne seront pas tenues, paroles en l'air, je ne suis pas sûre. Alors, je recoupe, comme ça, je ne vois pas ce qu'il y a dessous, hein, vous comprendrez. Hein. Est-ce que Jupiter va déclarer la guerre au tsar le 6 juin, là, 2024? Non. Non. Pas du tout. Il y pense. Hein. Je vous dis pas qu'il n'y pense pas. Hein. Et oui, parce qu'il faut bien se mettre, faut bien comprendre que si on se retrouve, enfin, si il pouvait le faire et qu'on se retrouvait en guerre, d'accord? On sera en économie de guerre. Donc, il pourrait prendre sur les comptes. Un peu de sous-sous qui manque, d'accord? Deux, pas besoin de nouvelle élection en 2027. Il restera... la guerre ne durerait pas 3 ans. On ne pourrait pas tenir autant de temps, on n'a plus rien. On a tout donné. Bon, enfin bon, lui, c'est ce qu'il pense, hein, pour rester au pouvoir et pour, voyez, pourquoi. Mais moi, là, on me dit, pour promesses qui ne seront pas tenues, parole en l'air. Alors, comme je vous le dis tout le temps, moi, c'est passé, présent. C'est pas pour et contre, d'accord. Donc, le contre, si on disait pour et contre, en fait, ce serait sur notre destinée. Et contre, en fait, oui, il aura des paroles... un peu ambigu, on me dit, un peu, voyez, parole inconstance, voilà, j'ai l'inconstance, ça va être un coup, oui, un coup non, en même temps, vous voyez, il va nous déblatérer une connerie, hein, ça c'est sûr, hein. Mais moi, on me dit une réalisation en beauté par la suite, campagne de santé, donc c'est repos santé, non, il y pense. Bon, je recouvre. Est-ce que Jupiter va déclarer la guerre au tsar? J'ai envie de mettre une petite carte après sur la destinée. Non, c'est stérile. Non, les présents. Découverte. Alors, je vais recouvrir les deux là. Est-ce que... Non. Non, mais franchement, il va falloir prier. Écoutez, non. Moi, je ne veux pas vous dire oui pour vous faire peur ou quoi ou qu'est-ce. Hein, ce n'est pas mon but. Hein. Et moi, je n'ai pas cette peur-là. Je ne ressens pas cette peur-là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que de toute manière, passer, pour l'instant, c'est stérile. D'accord. Tout ce qu'il essaye de faire, Mac, pour nous mettre en guerre, pour tout titiller. Là, d'ailleurs, putain, il est... Enfin, j'ai envie de dire... Pardon, j'ai dit un gros mot, mais... Le tsar, il y a un moment donné où il devrait peut-être se réveiller. Hein, peut-être, d'ailleurs, je vais poser la question. Parce que là, franchement, moi, ce que je ressens, je vais vous le dire, c'est que je ressens que le tsar, déjà, c'est pas ce que je ressens, ça c'est vrai, il aime profondément la France et les Français, et il sait très bien que nous, les Français, on n'en peut plus de l'autre. Et que nous, les Français, on ne veut pas la guerre contre le tsar. Et que nous, les Français, beaucoup, sont réveillés, et justement, beaucoup savent ce que fait Luc de la Reine. D'accord? Donc, déjà, le tsar, il le sait, ça. Donc, il sait très bien que si l'autre, il décide d'envoyer des troupes, et c'était pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il va déclarer la guerre? Non. Est-ce qu'il va envoyer des troupes? Peut-être qu'il va tenter le truc, mais je suis même pas sûre que les troupes acceptent d'y aller. Hein. Parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est que le tsar sait très bien ce qui se passe, et peut-être qu'à un moment donné, il va s'énerver. Hein. D'accord? Moi, en tout cas, on me dit non. Promesses qui ne seront pas tenues avec les présents, vous voyez? Là, j'ai les présents, et on me dit présent, moi c'est passé présent, donc justement les présents, il va dire des conneries, ah bah tiens d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai ramassé, je voulais mettre une carte dessus là, il va nous dire des conneries, hein, parce qu'il veut traficoter, hein, il va traficoter avec Luc de la Reine, moi je vous le dis, hein, vous allez voir,
Il va dire une connerie, hein. Ça c'est sûr, il va dire une connerie. Mais bon, on me dit réalisation en beauté par la suite avec concernant l'argent. Donc tout ça, c'est une question de thunes. C'est pour pouvoir piquer sur les comptes, pour être en économie de guerre. Mais moi, je vous dis que non, ça ne marchera pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai campagne santé, repos santé, la paix, vous voyez. J'ai campagne santé. Cette campagne-là qu'il essaye de faire et de changer les positions et de se battre, vous voyez, j'ai les deux épées là, le duel contre le tsar. Non, ça ne se fera pas parce que j'ai un revirement favorable par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici qu'il y pense beaucoup, sauf que moi j'ai une belle découverte des gens, voyez, des gens qui vont découvrir, qui vont ouvrir les yeux justement par rapport à ça. J'ai une belle carte bleue, mais on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui prient quand même. Et moi je peux vous dire, hein, il y a des égrégores qui se font un peu partout. Beaucoup de gens prient déjà contre le Jupiter et beaucoup de gens prient pour ramener la paix, d'accord, par rapport aux documents, aux choses du passé. Donc voilà, non, il va nous faire un petit coup de Trafalgar, là, il va nous dire une grosse connerie encore. Il y a les députés qui vont peut-être un petit peu s'énerver en disant, oh, attendez, là, il est temps de se réveiller. Allez, dites-moi, j'ai une question là, qui me turlupine. Est-ce que le tsar va, comment dire? Comment je pourrais dire ça? Est-ce que le tsar va dire quelque chose, enfin faire quelque chose contre Jupiter? Est-ce que le tsar, ouais, il va le mettre échec et mat. Regardez, j'ai échec et mat. Il va le mettre échec et mat, moi je pense. Est-ce que le tsar va faire quelque chose contre Jupiter pour pouvoir l'arrêter, vous voyez, l'arrêter dans sa folie, hein, parce qu'à un moment donné, s'il fait ça, il est complètement fou, hein, parce que de toute manière, jamais les députés, jamais les sénateurs donneront leur accord pour ça. Alors j'ai regardé, en fait, il faut un article, 35, je crois, je ne sais pas quoi, article 1 du code 35, il est bloqué. Pieds et poings liés, d'accord. Cœur brisé, ça lui brise le cœur. Réussite, famille, l'envie de... Ouais, je sais ce que c'est. J'ai l'impression que le tsar va révéler quelque chose sur la toxicité de Jupiter. Si c'est pas déjà fait, hein. Je crois qu'il avait fait une interview comme quoi c'était un peu toxique, tout ça. Mais enfin bon, est-ce que le tsar va faire en sorte de bloquer Jupiter? Est-ce que le tsar va bloquer Jupiter? Oh là là, s'il pouvait nous venir en aide, franchement, je suis pas trop pour... Ouais, alors là, j'ai du vaudou. Nuisance. Est-ce que le tsar va bloquer Jupiter? Malsain. Blocage. Loisir. C'était... Alors, attendez, je ne vais pas retourner là. Ouais, vous voyez la malveillance. Dans les foyers. Libéré. Oh, j'adore ce que j'en vois là. D'ailleurs, je vous ferai un petit point sur Jupiter, mais début de semaine. Est-ce que le tsar va bloquer Jupiter? Transformation. Ah, petite carte dessus. Sérénité. Bon, alors franchement, ne vous inquiétez pas. Je pense que le tsar est plus malin que ce qu'il est dit. Moi, j'ai toujours dit, il n'est pas malade. Hein. Il n'est pas malade, pas du tout. Il y a des gens qui ont dit qu'il était malade et tout. Non, pas du tout. C'est très bien ce qu'il fait. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que de toute manière, là, par le passé, j'ai eu une tentative de Jupiter de l'avoir, d'essayer d'amadouer le tsar, hein. Et il pensait qu'il avait réussi, hein. Mais moi, on me dit que présent, par rapport à ma question, le tsar, il utilise ses réseaux avec beaucoup de sagesse, hein, même s'il y en a qui n'y croient pas, moi je vous dis qu'avec beaucoup de sagesse, pour couper la malveillance de Jupiter, d'accord? Et là, on me parle de flamme, mais moi, on me parle de retour de flamme, d'accord? C'est ça qu'on me dit là. On me dit que de toute manière, il sait très bien le tsar que, là j'ai le malaise, la toxicité, que ce personnage-là, à la tête de notre état, est toxique, d'accord? Et qu'il veut nous mener dans le désœuvrement total, vous voyez? Et moi, ce qu'on me dit ici, j'ai demandé, est-ce qu'il va le bloquer? Oui, j'ai la carte de l'hiver, le blocage. Donc, on me parle de foyers, dans nos maisons, on va se rendre compte que, de toute manière,
Ou c'est lui, peut-être sa famille à lui et lui, famille politique et lui. D'accord, oui, c'est Jupiter. Jupiter, sa famille politique et Jupiter, de toute manière, il tente n'importe quoi pour essayer de débloquer la situation par rapport à l'UE, hein. Mais moi, on me dit que de toute manière, là, j'ai un blocage, j'ai l'hiver, j'ai le blocage dans les foyers, dans les maisons, dans son foyer, dans sa maison, et il va se retrouver tout seul à déclarer des choses, tout seul, vous voyez? Il va déclarer son truc tout seul, en fait. Il va déclarer son truc tout seul, et ça ne fonctionnera pas. C'est pour nous mettre dans un climat de peur, d'accord? Pour son propre plaisir, son propre loisir, ça lui fait plaisir de nous faire du mal. Ça lui fait plaisir à Jupiter de nous mettre dans ce climat-là de peur. Regardez le petit garçon ou la petite fille, on ne sait pas, qui est sous les draps ici avec les deux yeux malveillants que nous avons là, ici. D'accord? C'est le même. OK? Et ça, de nous mettre dans ce climat-là par n'importe quel moyen que ce soit, oh, c'est un plaisir total pour lui. Regardez la grande joie. Regardez la joie. Regardez comme il est content de nous mettre dans cet état-là de peur. Parce que moi, les messages que je reçois, je peux vous assurer, mais les gens, ils sont catastrophés, je peux comprendre, hein. Mais moi, on me dit que non. Il va y avoir une transformation totale de cette situation-là. Vous pourrez être serein. On me parle aussi de prière ici, hein. On a les deux mains jointes. Donc moi, ce que je vous dis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prier. Priez, priez vos anges, priez vos guides, priez Marie, protectrice de tous les hommes. Priez vos saints à vous, ou votre divin à vous, votre religion dans la lumière. Priez pour pas que ça se fasse, tout simplement. Plus il y aura de personnes qui vont prier pour la paix, quelle qu'elle soit, et pour que ça n'arrive pas, plus ça va fonctionner, tout simplement. Il faut prier dans la lumière et faire arrêter ces fous, d'accord? L'homme cœur brisé. Bon, il n'arrivera pas à ses fins, Mac, hein. Même s'il déclare quoi que ce soit, une connerie, moi je vous dis que là, les gens, ils vont tomber dessus à bras raccourcis, hein. Vous allez voir. Hein. Un petit conseil? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter l'accident? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter la guerre? D'accord. Bon. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut bloquer notre tête couronnée pour avoir du bonheur. Vous avez compris? Il faut se réveiller. Là, on a les élections européennes. Déjà, il faut qu'ils se prennent une raclée. Et après, il faut le dégager. On n'aura pas le choix. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, même s'il déclare une connerie monumentale, ça ne se fera pas. D'accord? Donc, et on va prier pour ça. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!